Je sors toujours tout de suite de l'axe, hein. Je reste pas en face parce que vous pouvez caler son genou sur moi. Donc je sors tout de suite de l'axe. Je peux continuer et aller chercher plus haut, juste à le faire tomber. D'accord ? Je vais venir à ce genre, c'est juste remonter là. Et là, tu vas faire face et là tu profites. Voilà, ok ? Non, c'est... J'essaie de passer quand on voit pas. Ouais, toi qui es au-dessus, tu n'es pas besoin de tenir ses jambes sur moi. Ah, tu es là, tu le cherches. Même sans juste tenir, quoi. Lui, à chaque fois, il va dessus. Tu vois là-bas ce qui se passe ici? Tu peux faire ça. Mais pas longtemps, tu vois. Là, ça craque. Hein. C'est juste ça. Non, mais parce que non, il n'y a pas de nom. Est-ce que tu as vu ce que j'ai fait? Alors, pourquoi je viens me voir? Pourquoi je parle là? Deux fois, ça. C'est pas grave. Il ne peut pas avouer que j'ai placé une solution. Non, non. C'est pas ce que j'ai fait. La deuxième technique, c'était pas ça. Ça va? Ah. Attends, tu as raison, mais pas sûr. Allez, me soulever avec ton genou sur l'autre jambe. Voilà, les jambes là, les coller à lui. Voilà.
plein de grappling. Fait du grapple pendant 1h30. Et maintenant, je pense qu'on va faire un peu de sac pour relâcher un peu le bras. Parce qu'après le grappling, les bras, ils ont tendance à se tétaniser. Tu sens lourd au niveau du bras. C'est pour ça, c'est bien de le relâcher. Soit au sac, moi je le fais au sac aujourd'hui. Mais d'habitude, je fais du shadow. Et top, housse. Donc là, on va faire un peu du sac et la maison. Et ensuite, on va enchaîner un deuxième entraînement cet après-midi. Housse. De bon. Semaine, quand j'ai fait tous les entraînements, je passe le voir pour enchaîner la semaine suivante en forme. Ou soit, c'est comme là, des fois, quand je fais un gros sparring, comme aujourd'hui, je vais le voir pour bien récupérer, pour pouvoir enchaîner l'entraînement de demain. Ça va être hardcore aussi. Mais... Rosco. Et comme Rosco, il aime bien mes chaussettes. Je vais le mettre dans la poche. La dernière fois, ils étaient tout mouillés. Hey, Rosco. Alors, Féro, t'en es où? Pour les blessures? Ouais, ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a le suivi de la main. Là, j'ai la main, ça tu le sais. La main, ensuite la cheville aussi. Ça, c'est, je pense que la cheville, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis le reste, c'est. La cheville, ça t'avait fait du bien, c'était mieux après la séance, ouais. Quelques jours, c'était super. Mais comme quand j'ai repris les entraînements intensifs, là, ça a recommencé à. Là, tu parles pieds nus sur les tatamis, c'est ça? Ouais. Ok, on va faire main droite, cheville droite. Bon, c'est ça aujourd'hui, main droite, cheville droite, c'est ça? C'est ça, main droite, pied droit. On peut masser un peu là les extrémités aujourd'hui. Ouais. Les avant-bras et les jambes. Ouais, c'est ok pour toi? Ouais, nickel. Ok. On récupère ça. Bah oui. Là. Comme je disais, j'ai un sparring intensif aujourd'hui. Là. Plus, ça va faire du bien. Demain, on reprend à fond. Ouais. Franchement, on se lave la tête. Hop là. Les tensions musculaires, c'est un peu partout ou c'est surtout au niveau des jambes? Surtout au niveau des jambes. Bon, de toute façon, on va faire donc écoute au niveau du bassin pour bien optimiser l'aspect neurovasculaire, que ça circule bien, que ce soit bien oxygéné, tout ça. Et puis ensuite, massage récup, chiro-massage récup sur les quatre membres. Soulève la tête, soulève un peu le dos, hop là, tu peux poser.
Nassour, il est en récupération pour sa main, pour son pied. Donc c'est une histoire de décharger les tissus dans l'avant-bras comme dans la jambe. Il y a une membrane interosseuse, c'est-à-dire des fascias, des tissus entre les deux os. Et en fait, de décharger ces tissus, ça l'aide à mieux récupérer. Et ensuite, c'est de la mobilisation et rendre de la liberté sur, bah, sur les différents os et articulations de la main, du poignet et leur relation au coude et à l'épaule. Pour le pied, c'est un peu pareil par rapport au genou. Expire, relâche. Une dernière fois. Expire, relâche. Ventilé comme ça. Ouais. Magnifique. Nickel. Comme il avait une fatigue musculaire, on utilisait des produits à base d'huile essentielle, Golterie, eucalyptus citronné, arnica, camphre, menthol, pour bien récupérer musculairement les jambes et les avant-bras. Voilà. Une technique à la fin d'extension thoracique avec mobilisation du diaphragme pour vraiment optimiser sa respiration. Et ça permet aussi de libérer les nerfs supérieurs du dos et des cervicales qui, eux, vont avoir une action sur sa main. Voilà, donc Nassour, on espère que ça l'aide pour sa récupération, apparemment. Il se sent mieux. Merci, franchement, top, top, top. Alors, je dis, là, après, on va enchaîner un troisième entraînement. Allez, à la salle. Plus que 5-6 jours avant le départ, après, à 100%. On ralentit un peu les entraînements, on essaie de rester sur court mais très intense. Voilà, il reste quelques jours donc là c'est vraiment light. On est rendu à la période d'affûtage, c'est la période qui précède le combat et en gros avant ça il y a eu la période de développement où on a fait monter toutes les qualités physiques à développer. L'endurance, en l'occurrence pour le cas de Nassourdi, l'endurance de force avec son préparateur physique Ryan Gillet. Ensuite, on a développé le côté stratégique de la chose, le côté technique de la chose, les techniques de défense, tout ce qu'il y avait, puisqu'on va croiser quand même un gros lutteur qui est dans le top 20 de l'UFC. Donc, on a développé tout ce qui était technique de défense, technique de soumission, de contre-attaque. Les déplacements qu'il fallait pour minimiser les attaques de lutte. Ensuite, on a stabilisé. C'est la troisième période qui est la stabilisation. Là, non, la deuxième période après le développement qui est la stabilisation, où on va éviter de trop pousser les machines pour pas qu'ils soient grillés. Et là, on est sur la période d'affûtage, où l'intensité est au maximum de ce qu'on peut donner, mais on réduit la charge de travail. Pour réduire la charge de travail en montant l'intensité, on va baisser le temps de travail. Donc la durée de travail, elle est quasiment de 20 minutes, une séance d'entraînement aujourd'hui. Et on va faire ça tous les jours jusqu'à la date de combat. On revient sur un entraînement par jour, au lieu de ce qu'on avait comme programme bicotidien, où on avait deux entraînements. Préparation physique le matin et puis le soir, la partie spécifique. Là, on est vraiment sur une séance d'entraînement à jour qui est la répétition du combat. L'idée, c'est de répéter le combat, de l'imagerie mentale et tout ce qu'on va faire sur le combat tous les jours jusqu'au jour du combat. Voilà à quoi on est rendu aujourd'hui. Et on est à quoi? On est à 4 jours du départ pour Las Vegas et on va passer sur place 8 jours. Qui correspondent aux 8 heures de décalage horaire qu'on aura par rapport à Vegas. Et donc on va se réguler d'une heure tous les jours. Merci. Very good job. Holy shit.